Elle m'a trahi. Sincèrement. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? 2 millions. 2 millions. Où est-ce que je l'aurai? Où est-ce que j'aurai cet argent? Où est-ce que j'aurai ces 2 millions? Elle ne peut pas partir. 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 Elle a dit qu'elle revient. Mon Dieu! C'est pas vrai. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Oh mon Dieu! Ah ouais, il a vraiment gaspillé même avant le rencard bébé. Il a dépensé des millions pour moi. Attends, tu veux dire qu'il a dépensé tout cet argent pour toi? Eh bien oui, c'est un pouvoir d'une femme. Oui, le pouvoir qui marche sur la souffrance. Ah, cela ne me concerne pas. Je n'ai pas envoyé de message. Il ne peut pas trouver d'autres femmes. Mais Emilia, ceci risque de te conduire à la faillite. La vie est toujours injuste. Hé, attends. J'étais en train de regarder tes articles. Je pense que ça peut coûter presque 1 million naira. Mais de quoi est-ce que tu parles? Juste ce cheveu à moi, cela a coûté 600 000 naira. Es-tu sérieuse? Oui. Et ceci coûte combien? Cela n'est rien, bébé. Mais dis-moi, non. Tout ce qui est ici devant toi est équivalent à 2 millions. Es-tu sérieuse? Mais c'est ce que je t'ai dit. Ma chérie, de quoi es-tu en train de parler? Quel argent? Quelqu'un qui se plaint que tout ce qu'il a dépensé, c'est tout ce qu'il avait dans son compte bancaire. Tu peux les garder si tu veux. Ça, c'est à toi. Ça t'appartient. Hey, ça suffit avec ce moral, ça suffit. Attendons que demain arrive. Je suis très impatiente de mettre mes nouveaux habits. Yo, bébé. Réjouis-toi. Oh, regarde ce que tu t'es fait là. Tu pensais lui marcher dessus. Et maintenant, c'est elle qui te marchait dessus. Ok, merde. Simon, non. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu me regardes très bien, tu verras que je suis troublé. J'ai des problèmes. S'il te plaît. Donne-moi juste le temps de résoudre ces problèmes. Je vais les résoudre moi-même. Je t'ai parlé avant que tu partes, mais tu ne voulais pas m'écouter. Honnêtement, si tu étais un petit garçon, je t'aurais frappé très mal. Qu'est-ce que tu attends? Je suis comme un petit garçon. Hein? Regarde-moi, hein? Regarde-moi. Regarde-moi. Comment est-ce que je me suis fourré dans cette histoire? Un très grand gâchis, mec. Et maintenant, tu te plains du manque de téléphone. Et soudainement, tu as reçu 2 millions de nègres. Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu les as dilapidés. Maintenant, dis-moi, comment allons-nous rembourser cet argent? Comment allons-nous les rembourser? Seigneur. Ah. Je t'avais Seigneur. prévenu. Je t'avais demandé de reporter la date. Mais tu avais refusé. Regarde-toi maintenant. Si tu peux, tu m'as bloqué partout. Sur WhatsApp, sur Instagram, partout. Je ne sais pas ce que je peux faire. Où est-ce que je peux la trouver? Oh, tu espères quelqu'un qui t'a dupé. Continue de causer avec toi. Qui est-ce qui peut le faire? Je viens de donner raison à tous qui me disent que je suis bon à rien. Bien sûr que oui, tu viens de donner raison à ceux qui disent que tu n'es bon à rien. Cet argent était comme un pari, mais tu as refusé de prendre cette donne en compte. Si je trouve cette fille, si jamais je trouve cette fille, elle ne m'a pas du tout tué. Je vais la tuer. Je suis conscient de chaque mot que je dis.
Grand frère, tu pleures toujours. Es-tu sûr qu'on ne va pas aller chez la police? Arrête, s'il te plaît, s'il te plaît. On ne peut pas inclure la police. Pourquoi? Pourquoi? On n'a pas assez d'argent pour appeler la police. Tu vas payer la caution? Dis-moi si tu vas payer la caution. Mais si ça, si c'est le cas. Mec, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tonton, c'est une bonne après-midi. Mon gars. Oui, comment tu vas? Qu'est-ce que c'est? Mec, je te dis que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute, écoute-moi, Simon. Tu m'as bien vu que je ne suis pas d'humeur. Hein? S'il te plaît, et qu'est-ce que tu veux me dire d'important? D'accord, c'est bon. Notre monsieur est de retour. Yossi est de retour. De quoi parles-tu? Fabian. Et tu comprends pas ce que je dis? Notre Yossi, now. Tu t'arrives de Yossi est de retour. Attends. Chicharito! Chicharito est dans la ville. Le seul Chicharito. Il est rentré. Je te jure, mec. Où est-ce que tu l'as vu? Non. J'ai rencontré notre ami. Ah. Et il va me dire que Chicharito est de retour. Waouh. En fait, regarde. Il n'est pas seulement de retour. Il m'a dit, si tu vois le monsieur conduire son véhicule, tu verras que le gars est fort. Notre gars est fort, mec. Alors, maintenant, comme il est rentré, hein, est-ce qu'il va résoudre les problèmes que j'ai en ce moment? Fabienne, qu'est-ce que tu racontes, Fabienne? Hein? Est-ce qu'on a vraiment oublié combien nous étions proches de Chicharito avant de partir? Maintenant qu'il est de retour, il est venu avec beaucoup de force. Hein? Ne penses-tu pas que c'est une opportunité pour nous de voir ce qu'il a et prendre notre part? Il est en train d'organiser une grande fête. Et tu sais quoi? Nous sommes tous des invités. Je pense que c'est le seul et l'unique point important. Allô, monsieur. C'est depuis le matin que ton téléphone sonne à vide. Oui, monsieur. Je vais bien. Je suis au marché. Je n'ai pas entendu le téléphone sonner. Je suis désolé, monsieur. Donc, je peux comprendre que tu es en train de faire le marché? Oui, monsieur. En d'autres termes, nous nous rencontrerons demain au bureau, d'accord? Oui, monsieur. Très bonne chose. Rencontrons-nous de mon bureau. Très bien, monsieur. Au revoir. Mec, qui était-ce? Que tu fais du tricotage. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bébé, mais pourquoi tu souris? Raconte-moi la nouvelle. Bébé, je me suis vue avec mon ami du collège. Il m'a invité dans une fête. Bébé, cette fête sera remplie que de grandes personnes, les gens qui sont au sommet de notre société. Bien, c'est une bonne chose et je pense que tu as trouvé maintenant celui qui a convaincu ton cœur. Bébé, ne peux-tu pas parler d'une chose sans même parler de l'amour?
Est-ce que l'amour est forcé? Tous les jours, je dois sortir. Je dois sortir. Tu ne te fatigues pas? Mon amour, la vie a été faite pour s'éclater. De toutes les façons, tu viens avec moi. Je ne veux pas d'excuses parce que c'est le week-end. Oui, malheureusement, les samedis, non. Pourquoi tu ne veux pas les samedis? Je ne peux pas sortir. Pourquoi? Parce que les jours suivants, je dois aller à l'église. Oh, je le savais. De toutes les façons, c'est le vendredi. Je ne veux pas d'excuses. C'est bon, d'accord, mais à une seule condition. Laquelle? Ne pas revenir trop tard. Bien sûr. C'est bon? Bébé, cette chose que tu es en train de faire, tu ne vois pas que ça ne vaut pas la peine? Que dis-tu? Quelque chose que j'ai acheté avec mon propre argent? Ou c'est parce que tu ne sais pas comment on se réveille et acheter quelque chose? S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu vois ces trucs, je n'ai pas encore fini de l'utiliser. Ah, mais tu ne trouves pas que c'est devenu ancien? Oh, madame la millionnaire, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, non, femme riche. Ah. Vas-y dans la cuisine, sers-toi quelque chose. Je pense que tu as faim. Tu vois, moi, je ne peux pas coudre mes habits. Ce n'est pas possible. Je sais. Si ça devient ancien, je le jette, puis j'achète d'autres. Je sais. Ah, qu'est-ce que tu as préparé? Vas-y dans la cuisine et sers-toi. Bienvenue. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Seigneur. Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi? Pour quel crime? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pourquoi je m'enfuis? Pourquoi je me tue moi-même? Dois-je aller en ville maintenant? Juste pour regarder quelqu'un foutre ma vie en l'air? Ou dois-je être préparé pour aller en prison pour 2 millions de naira? L'argent qui a été dépensé rapidement, juste comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Ce garçon a intérêt de ne pas jouer à ce jeu avec moi, sachant que je suis plus grand que lui. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec lui, mais je m'étais décidé de lui accorder le bénéfice du doute. Maintenant, regardez-le. Seulement à cause de 2 million de naira, il se permet d'éteindre son téléphone. Fais bien, tu peux beau fuir, mais tu ne le feras jamais longtemps. Je vais finir par t'obtenir. Et quand j'en aurai fini avec toi, je t'assure que tu ne te reconnaîtras plus. Regarde sa forme. Mec, est-ce que tu peux vraiment t'apaiser? J'aurais pensé que t'allais changer. Mais il n'a rien à faire avec ses derrière. Tu sais vraiment ce que ces filles représentent? Ne retourne pas au passé. Mais...
Oui, voilà, tu t'habites, c'est mon mec. Et vraiment, regarde comment ce qu'il a changé. Mais je t'ai dit, il a apporté, il a amené beaucoup d'argent, mec, je t'ai dit. Il a beaucoup d'argent. Et tu sais, mec, l'argent répond à tout, mec. Il a beaucoup d'argent. L'argent répond à tout. Regarde-moi ce gars. Regarde-moi. Regarde comment il est devenu. Mec, je t'ai dit que ce garçon va changer les cours des choses. Oui, mec, il va changer toutes nos situations difficiles en bonheur. Je t'avais dit, mec. C'est quoi, mec? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas? Tu veux aller où? Mais avant que je fasse quoi que ce soit, dis-moi, c'est quoi le problème? Hein? Regarde, voici la pute qui m'a squeaké de l'argent. Je vais en finir avec non, elle. Calme-toi, d'accord? Nous sommes dans une très grande tête. Tu résolveras son problème après. Simon, mes 10 millions de naira, je ne peux pas la laisser comme ça. Non, laisse-moi. On va voir ça après. Arrête, mec. Arrête, s'il te plaît. Fais bien. Emilia, qu'est-ce qui s'est passé là? Je peux comprendre qu'elle prétendait être chauffeur. Mais tu dois me dire pourquoi elle insistait que nous allions à la fête. Je suis désolée pour les dérangements. C'était Fabien. Fabien? Et qui est Fabien? Le gars que j'ai menti, que j'allais coucher avec lui. Mais Emilia, je te l'ai toujours dit. Je te l'ai déjà dit. Plus ça change, plus c'est la même chose. Tu devais juste être prudente. Dieu va t'aider. Un jour, tu vas rencontrer une personne qui va t'embarrasser en public. Dieu ne laissera pas arriver cette mauvaise N'est-ce chose. N'est-ce pas ce qui t'est arrivé? C'est assez, je t'en supplie. Assez? Emilia, c'est ce que tu me dis? Si seulement on nous avait découpé là-bas, tu allais me dire que c'était assez? Je ne te blâme pas. C'est moi qui t'accompagne dans ton jeu. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, hein? Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Toi, c'est quoi cette histoire? Tu as mené un homme dans ma maison. Tu n'as même pas peur. Oui, oui. Monsieur, vous êtes à l'état d'arrestation. Nous vous amenons à nos installations pour une interrogatoire. Même toi. Mon cher Bouge. Bouge. Hein? Bouge. Officier, c'est quoi le problème, officier? Monsieur. Hein? Je dis bouge. Officier. Monsieur. Bouge. Hein? Monsieur. Mais monsieur, écoutez,
Monsieur. Non. Mais Kate, pourquoi ne nous as-tu pas appelé pour nous informer de la présence des policiers ici? Je ne savais pas quand est-ce qu'ils étaient arrivés. Et lorsque je l'ai réalisé, ils me l'ont arraché. Et ils m'ont demandé de faire aucun appel. Alors, j'avais cru qu'ils m'auraient arrêté. C'est d'accord, d'accord? Ton frère se portera mieux. Mais Simon, où est-ce qu'ils ont amené mon frère? Ne t'inquiète pas. Hein? Je veux que tu me fasses une promesse. Que tu ne feras pas appel à ta maman pour vous dire. Si seulement ça sera pour aider. Bien sûr que oui. Alors je vais l'appeler. Entrons, entrons. Il est 17h, qu'est-ce qui se passe? Grand frère Simon, c'est ce que tu cherchais? Kloan First Production Limited, numéro 34, avenue Kingswin. Oh, d'accord, je m'en vais, d'accord, j'arrive. Hé! Hey. Et qui cherchez-vous? Hé! Hey. Viens ici! Bonjour, monsieur. Je te repose la question. Qui cherches-tu? C'est vous que je cherche, monsieur. Et en quoi puis-je t'aider? Monsieur, je viens respectueusement de la part de mon ami qui était arrêté. Oh, donc tu es ami à ce criminel? Non, monsieur, oui, monsieur, monsieur, il n'est pas un criminel, c'est un ami. Et qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Ou tu veux le rejoindre en prison? Non, monsieur, je viens vous supplier si vous pouvez le libérer. Et qu'en est-il de mon argent? Écoute, je ne me vois pourrir en prison. À moins que me restes-tu mon argent, où tu l'as, non? Je sais, monsieur, mais le faire arrêter, monsieur, c'est un peu dur, s'il vous plaît, libérez-le. Obéis-tu, te taire et laisse-moi tranquille. Ok, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous juste le libérer? Je vais trouver votre argent par moi-même. S'il vous plaît, monsieur, libérez-le. Je vous assure, moi-même, je vais vous donner votre argent. Abou! Viens, jetez ces méchants d'or de ce parquet. Monsieur. Oh, grand frère! Grand frère Simon, comment ça a été? Et ça a été...
Regarde tes yeux. Tu pleurais. Pourquoi ne puis-je pas pleurer? J'espère que tu n'as pas dit à maman. Non, elle ne l'a pas fait. Elle me l'avait fait comme promesse. Oui, je ne lui ai rien dit. Dans ce cas, tu... C'est Simon qui te doit remercier pour tout. Et Simon, je vais juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi, spécialement ma soeur. Je crois que la vie était très difficile. Encore une fois, je te remercie beaucoup. Je ne peux pas te remercier assez parce que tu m'as libéré de la police. Merci. Et c'est vraiment un plaisir pour moi, Fabien. Et parce que tu sais, j'ai beaucoup de rivières à traverser. La question maintenant est comment est-ce que nous allons réunir 2 millions de naira en 2 mois? 2 millions de naira. Je suis confus. Ne sois pas confus, mon cher. Tu es celui qui nous a foutus dans cette merde. Alors il faut réfléchir. Je pense que j'ai besoin de temps vraiment pour arranger ma vie. Le temps ne nous est plus favorable, il faut comprendre ça. Je pense que j'ai une idée. Mais ça va nous coûter beaucoup d'argent. J'espère que c'est quelque chose qui nous apportera en retour. Peut-être que oui, ou peut-être que non. Mais nous devons juste essayer. Combien je suis censé chercher? 100 000 naira. Dans ces cas, je vais vendre ma voiture. Je ne te conseillerais pas de vendre ton véhicule maintenant. Peut-être que je débourserai 100 000 naira provenant de mon compte. Et après ça, si ça ne marchait pas, nous serons obligés de vendre ton véhicule. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Simon? Hein? Qu'est-ce que je ferais? Depuis que tu as été à mes côtés, à chaque fois quand j'ai des problèmes, quelque chose que je ne pouvais pas résoudre. Mais tu es toujours là. Merci. Et pourquoi sommes-nous amis? Et ce n'est absolument rien, mec. Merci. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur. Tu sais, pour le business dont je t'ai parlé. Quel genre d'affaire? Le business en ligne que je t'avais parlé, qui semblait comme un jeu. Oh oui, je me rappelle. J'ai vu à peine de recevoir des 100 naira parce que j'avais mis 100 naira dans quelques jours. C'était une bonne nouvelle. Et je suis sûre que si je mettais 5 millions, je vais avoir 10 millions. Mm-mm. Regarde-moi très bien. J'en ai, mais je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que tu veux essayer? Bébé, les gens font l'argent. Hein? Mais où était cette plateforme depuis longtemps? Hein? Mais pourquoi tu veux mettre ta vie en danger? Je ne suis pas sûre de ça, bébé. Je suggère que tu réfléchisses très bien. Tu veux tout perdre? Bébé, dans la vie, il faut prendre des risques. Ah ah! Quel genre de risque? Risquer en mettant en jeu tous tes biens, bébé? Je te les déconseille. Bébé, oh. Tu ne peux pas me décourager, oh. Parce que les gens sont en train de témoigner. Ils témoignent à ces sujets. Regarde ce pasteur de l'église God Living. Il est aussi parmi les gens qui témoignent pour cette plateforme. Et tu restes là en train de perdre ton temps. Emilia, j'ai essayé de te prévenir comme une sœur qui veut le bonheur de sa sœur. Si tu le veux, comme tu le veux, vas-y. Tu me distrais, oh.
Laisse-moi les trouver les 500 millions. Oh, si je mettais 5 millions, j'aurais 10 millions. Hé, laisse-moi aller. Cherche pour 10 millions. Une fille moins intelligente, tu reviendras ici pour pleurer. Et est-ce que tu as soumis tous les documents? Il vient de le faire. Il vient juste de partager mon témoignage. Et très bien. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est et c'est la preuve. Je pense qu'elle a juste à mettre son mot de passe et puis on verra. Il contacte Pasteur Moïse. Oui. Et ce serait la meilleure option. Et c'est un homme respectueux. Il accomplit et tout ce qu'il dit. As-tu ces photos? Oui, j'en ai. Il faut que j'envoie seulement le formulaire et envoyer le message ici. Très bien. Nous avons juste à le faire croire et il a un bon témoignage. Mais es-tu sûr que ça va marcher? Fabien, crois en toi-même et crois en Dieu. Emilia, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas ce qui se passe. Où est-ce que ça ne va pas? Je ne retrouve plus l'application. Quelle application? La seule plateforme dont je t'ai parlé. C'est maintenant invalide. Oui, mais que ça soit invalide ou non, tu ne pouvais pas quand même créer. Tu ne comprends pas. Non! Ils l'ont fermé. Alors, tu ne les connais pas et ils ne te connaissent pas. Tu dis? Hé! Hey. Comment je vais les trouver? Oh, comment je vais les trouver? Comment est-ce que tu vas trouver qui? Attends, Emilia, ne me dis pas que tu avais transféré de l'argent à ces gens. J'ai... Tu quoi? J'ai investi 5 millions de naira. 5 quoi? 5 quoi? Emilia, je ne peux pas te croire. Tu ne viens plus me demander de l'aide. Hein? Comment est-ce qu'une si grande femme comme toi peut se faire anarquer? Emilia, 5000 naira n'est pas une blague. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mon argent. Mon argent. Merci beaucoup pour ton transfert. Hey! Qui te l'a envoyé? Je suis fini. Qui te l'a envoyé? Les gars dont j'ai menti. Les gars qu'on avait fui dans la fuite. C'est lui qui est responsable de tout ça. Hey, je suis finie. Tu es vraiment stupide. Mon argent. Tu es vraiment très stupide. J'appelle la police. Non, ça n'a pas d'importance. Je vais les régler moi-même. Emilia, tu veux les régler toi seule? Voilà pourquoi tu as laissé 5000 naira aller juste comme ça. Il va pas, je t'ai dit que je veux les régler moi-même. Hey. Ah. Tu ne veux pas voulu m'entendre. Je t'avais prévenu que tu seras déçu. Tu t'es toi-même fait du mal. Wow. Oui, oui, génial, oui, oui, 5 millions de naira, oui, voilà les 5 millions, la confirmation, on l'a confirmé, c'est la confirmation, toi, tu es un génie, non, 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 je ne m'attendais pas à ça, non, mais tu es un génie, ah non, 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 mon cher Dieu, waouh, et 5 millions de naira. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je te l'avais dit. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu sais quoi, mec? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Messieurs, nous devons l'appeler. Et tu dois lui dire que nous avons ces 2 millions déjà. Et nous allons lui remettre demain. Partir où? Et Chief Canada, bien sûr. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Pourquoi tu demandes 5 millions de naira? Écoute, cet idiot a eu l'audace de me faire arrêter, moi, Fabien. Tout ça à cause de combien? Combien? Et maintenant, j'ai 5 millions de naira. Tu veux que je lui donne 10 millions de naira? Dans ces 5 millions, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Fabien, est-ce que ça va dans ta tête? Es-tu normal? Tu t'es mis à prier Dieu pendant tout ce temps et il t'a remis 5 millions de naira.
et tu veux faire autre chose avec? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu racontes? Dieu sait comment faire les choses. Il les fait tellement très bien. Il a créé le monde le premier, le deuxième, le troisième jour et puis... Et il s'est reposé le septième jour. C'est vraiment un homme d'affaires avec 5 millions de naira. Ça, c'est mon capital. Je ne vais plus encore jouer avec ce capital. C'est vraiment un capital. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Fabi, est-ce que tu es normal? Je ne peux pas être normal pour 5 millions de naira. Tu sais quoi? Je vais monter me rafraîchir. On se croise au bar. Qu'est-ce que je dis? On se croise au bar. N'oublie pas. Au bar. On se croise au bar. Bébé. Quoi? Jusqu'à quand vas-tu continuer à te comporter comme ça? Je suis en train d'entendre. Tu attends quoi? Tu m'avais promis de me parler de cet homme à qui tu as envoyé de l'argent. Quel argent? L'argent que je viens de transférer dernièrement. Tu sais, je réfléchissais, je me disais qu'il serait prudent de ne pas avoir de problème avec la police nationale. La police bancaire pourrait en avoir après lui. Et s'ils viennent à remarquer l'argent qu'il a eu à nous transférer, nos comptes seront retrouvés parmi les comptes qui ont reçu de l'argent venant de lui. Bébé, voyons. Il n'est pas un politicien. Il est peut-être dans beaucoup de business. À peine tu l'as connu et vous vous êtes rencontrés juste une seule fois. La première fois que je vis le chief, j'ai compris tout à propos de lui. Il était vraiment transparent. Il m'avait tout dit sur lui-même. Il m'a dit qu'il fait beaucoup de business. Il a des entreprises partout dans le monde. Il est aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne. Tu sais, il est partout dans le monde. Il est vraiment un homme très riche. Il est vraiment très riche. D'ailleurs, il est le directeur général de tous les gens qui travaillent avec lui. Ah, ok. Je pense qu'il a cru peut-être que l'argent qu'il a dépensé, c'était pour la nourriture. Mais, ah, bébé, qui est cet homme qui peut donner à une femme 1 million naira juste comme ça? Dis-moi, il ne t'a pas touché? Pas du tout. Mais s'il insiste pour ça, qui suis-je pour dire non? D'ailleurs, il y a d'autres filles de mon âge qui cherchent ce genre d'opportunité. C'est comme un bureau. Si je l'interdis d'entrer dans mon bureau, alors il aura un autre bureau où entrer, c'est simple. Ah, bébé, toute opportunité qui se présente devant toi, tiens-la fort parce que les filles sont jalouses. C'est vraiment sérieux. Tu sais, j'étais en train de réfléchir. Penser à propos de quoi? Pour quelqu'un qui nous a donné quelque chose, je pense qu'on doit vraiment l'apprécier. Tu veux dire comment? Que veux-tu dire par comment? Si quelqu'un te donne quelque chose, tu dois bien dire merci. Oh, c'est ce que tu voulais dire. J'ai pensé que... Tu voulais juste apprécier sa gentillesse. Même si c'était pas sa gentillesse, ce n'était pas le 1 million que tu voulais. S'il te plaît, épargne-moi de ça. S'il te plaît, arrête de penser à l'envers. Parlons d'autre chose. Je ne veux pas que tu penses à l'envers. Je voulais dire qu'on devrait seulement le remercier. Qui sait, peut-être tout ce que je perdis, tout ce que cet idiot m'a volé, lui me les rendra. C'est toujours comme ça que je t'avertis. Oublie ces garçons et quitte dans ces pièges. Ok, c'est bon. Si tu penses que tu dois aller le remercier, tu peux aller. Mais moi, je ne peux pas faire cette chose. Jamais. Je croyais que tu allais me dire que Samuel allait me donner tout ça. Ne ramène pas mes histoires dans tes affaires. C'est quoi ces bêtises? Fabien! Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de parler avec le chief. Et? Nous devons nous voir avec lui au courant de la semaine, moi et toi. Emilia, peux-tu t'entendre parler? Tu savais qu'on devait se voir avec les chiefs. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé en premier? Et cela a changé le fait que le remerciement est nécessaire. Oh, c'est ça le point. Parfois, sois un peu posé. Si tu ne veux pas aller, alors ça me va. Non, ce n'est pas ça. Écoute, tu devrais me parler en premier. Mais je viens de dire que je suis désolée pour ne pas te l'avoir dit. D'ailleurs, nous devons voir cet homme. Ce n'est pas comme si ça va prendre toute une journée. Cela ne va pas prendre tout ton temps. Alors pourquoi te plaindre?
Ok, c'est bon, je vais réfléchir sur ça. Pourquoi me brisquer comme ça? Emilia, tu es sûre qu'il viendra? Ah, calme-toi, il va venir. Je viens de parler avec lui au téléphone, il m'a dit qu'il est tout prêt. Hein? Je sais qu'il ne va pas me décevoir. Mais je pressens toujours, la manière dont il m'avait apprécié l'autre fois me décourage d'aller dans cet endroit. Ah, mon Dieu, Filiane, il faut vraiment peser ce qu'il t'a donné. Tu ne peux pas comparer la personne qui t'a donné 500 000 naira et celle qui t'a donné 400 000 naira. Il mérite mieux, non? D'ailleurs, tu devras aller chez cet homme, l'embrasser le pied, te prosterner devant lui. Ha, Emilia, tu es vraiment une femme sauvage. Je ne pouvais pas croire que tu pouvais tout faire pour un homme à cause de l'argent. C'est vraiment de ça que je parle. Un homme qui te doit l'argent, tu dois le considérer comme Dieu. Quand Dieu essaie de te bénir, tu ne vas pas dire que tout ce que Dieu fait pour toi est assez. Même avec le téléphone, on a des téléphones qui sonnent moins fort. Il y a d'autres qui vibrent et il y a d'autres même qui sonnent fort. Mais quand cet argent est entré dans ton téléphone, cela a sonné comme des tonnerres. Alors, Emilia, c'est quoi le but maintenant? Le but est, depuis que cet argent est entré dans ton compte, j'étais en train de t'observer. Tu as totalement changé. Tu as tout changé. Cela montre le changement depuis que cet argent est entré dans ton compte. Ah. Excusez-moi, mesdames, qui est Emilia? C'est moi. Ah, ok. C'est de la part de Chief Kaidi. Oui, effectivement, il m'a envoyé vous prendre. Ah. Allons-y. Ok. S'il vous plaît, vous êtes supposé de vous asseoir derrière. Oh, j'ai compris. Merci. Je vous en prie. Bienvenue. Merci. Waouh, cette maison est trop belle. Oui. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ouais, encore bienvenue. S'il vous plaît, asseyez-vous et détendez-vous. Bienvenue dans l'une de mes belles propriétés, Emilia. Comment tu vas? Je vais bien, Chief. Bienvenue. Chief, voici ma sœur Filiane. Filiane, je te présente Chief Kaidi, l'homme dont je t'ai parlé. Ok, merci beaucoup pour ces beaux gestes. Je dirais, l'argent était vraiment beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante. Ce n'était rien, alors prenez place. Merci. Monsieur. Je vais partir. Merci, monsieur. J'espère que votre voyage pour ma propriété n'était pas stressant. Non, non, même pas. Vous avez une très belle maison. Oh, c'est le bienvenu.
J'ai beaucoup de boissons. J'ai de la NDC. J'ai de la Campuel. Dans nos prions. J'ai du vin rouge et un peu de cocktail. Moi, monsieur, laisse-moi prendre. Le vin, c'est préférable, monsieur. C'est très bien. Joe. Oui, monsieur. S'il te plaît, trouve-moi 2 verres de vin rouge. D'accord, monsieur. Emilia. Chief. Une fois de plus, sois la bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Et comment vous allez? Très bien, merci. Merci. Content de voir. Pareil pour nous. S'il te plaît, une bouteille pour chacune d'elles. Non, 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 messieurs. 2 bouteilles, c'est trop. Ce n'est rien. Il y en a tellement beaucoup dans ma maison. Même si vous en avez encore besoin, vous pouvez les emporter à la maison. Emilia? Oui. J'arrive dans peu de temps. Ok, chief. S'il vous plaît, puis-je? Oui, juste une bouteille suffit. Est-ce qu'il s'est plaint? Je ne te comprends pas. Emilia, nous ne sommes pas ici allez, pour ferme ta bouche. Nous sommes venus pour autre chose. S'il te plaît, arrête, tu m'embarrasses. Tu es en train de me déranger. Est-ce qu'il s'est plaint? Non, pas trop. Ça suffit. Allez, cheese. Cheese. Je vous en prie, sentez-vous à l'aise. Merci. Je vous en prie. Emilia. J'espère que vous avez faim. Oui. S'il vous plaît, le repas est prêt. D'accord, on sera là d'un peu de temps. Ok. Emilia, quand est-ce que nous allons retourner à la maison? Je me sens déjà fatiguée, oh. Tu n'es pas contente? Prends, mets-les dans ton sac. Emilia, non, ça ce n'est pas correct. Oh non. Emilia. Oh, ok. Ok. Allons-y. Je suis désolé d'avoir laissé de très belles femmes comme vous en attente. J'étais occupé à faire quelque chose là, dans ma chambre. Très bien, je suis là. Messieurs, qu'est-ce qui est attaché sur vos vêtements? Oh, ce n'est rien. J'assistais le garçon qui tuait la chèvre qui avait aidé à faire cette cuisine avant que vous veniez. Et malheureusement, ça m'a sauté dessus. Bon, ce n'est rien, oubliez ça. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi? Bien sûr. Ok, je travaille dans une compagnie de tailleurs manufacture appelée Jackie Tailleur. Qui est tenue par Chief Jackson Nellier? Exactement. Vous les connaissez, messieurs? Oui. Il était mon ami. Jusqu'à ce que la soif de la réussite nous avait séparés. Et tu sais, nous voulions tous réussir. Rien ne demeure dans notre vie. Et toi, ma belle Emilia, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis désolé. Tu me l'avais dit, mais j'ai oublié. Je travaille en partenariat avec des hommes d'affaires. C'est ce que je fais comme travail. Oh,
honnêtement parlant, je suis vraiment obsédé par des très belles femmes et surtout des femmes d'affaires. Oui, je t'en prie. Mangeons et on va parler de ça après. Ok, je vais le faire. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père, nous te confions ce moment. Béni serai pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En t'entendre prier, je peux deviner de quelle confession que je suis apparti. J'ai toujours été un chrétien. Vraiment? Oh oui, je le suis toujours. Mais tout ce que je fais ne me permet pas de me pratiquer. mais de toutes les façons, je continue à payer, mais ma dîme est une reste. C'est bon. Oh oui. Bon, je... Ok. Quoi? Ah, ok. Ok, monsieur. Qu'on rajoute la sauce? Non, non, c'est bon. Merci. C'est prêt, merci beaucoup. Je vous en prie. Emile, réveille-toi. Réveille-toi. Il est 21h. Oh Dieu, on a beaucoup dormi. Oh, les filles, vous vous êtes déjà réveillées? Vous vous étiez toutes endormies après le repas. Et je m'étais moi aussi endormie. J'attendais que... qu'on prépare pour vous un endroit pour votre sommeil. Et nous avons plus de 20 chambres dans cette maison. Ah non, non monsieur, non monsieur, non, nous n'allons pas rester ici. S'il te plaît, laisse-nous aller à la maison, s'il te plaît. J'aurais bien voulu. Mais après que je m'y sois rendu compte, cet endroit est bien sécurisé. Personne ne peut entrer et vous faire du mal lorsque vous êtes ici. Et d'ailleurs, il est à 3h de minuit. Donc, relaxez-vous et prenez soin de vous. Ah, ok, on va rester, c'est bon. Ok. Joe. Oui, monsieur. J'espère que la chambre des visiteurs a été faite. Oui, monsieur, c'est fait. Et s'il te plaît, amène Félien, là à l'intérieur. Emilia, viens avec moi. Oui, madame, c'est ici que vous allez passer la nuit de ce soir. Tout ce dont vous aurez besoin, il vous sera donné. Ok, merci beaucoup. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit.
C'est qui? C'est moi, Joe. Ta sœur m'a envoyé vers toi. Oh. Je vous salue, voici vos vêtements. Prenez. Merci. Ah, je vous en prie. Attendez, j'arrive. Oui, ta sœur m'a... Est-ce que tu as suivi le match de Brentford? Et si je ne l'ai pas suivi, c'est à toi de le faire, non? S'il suivi? Vous plaît, aidez-moi. Hey, hey, aidez-moi. Hey, hey. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que aidez-moi. Vous avez... aidez-moi. Hein? S'il vous plaît, aidez-moi. Quelqu'un essaie de me tuer. S'il te plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Ok. Calme-toi. Apaise-toi d'abord. Madame, viens avec nous. Viens avec nous, d'accord? Regarde. Je suspecte que cette fille doit être une victime de Chief. Tu as raison. Donc. Tu sais quoi, mec? Continue de la garder. D'accord? N'ai fait aucun mouvement de suspicion. Regarde, attends. Chief est en train de... Vas-y, elle n'écoute pas. Allô, Chief? Oui, monsieur. Elle est ici avec nous. D'accord, monsieur. Nous ferons tel que vous nous l'avez dit, monsieur. D'accord, monsieur. Oh, pote, qu'est-ce qu'il a dit? Que nous devons l'amener saine et sauve auprès de lui. Très bien. Je crois que cette fois, on aura une très belle somme d'argent. Je crois ici. Mais elle s'est enfouie. Elle nous a échappé. Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Aïe! Oh! Hé! Hey. Mais on l'a perdu! Ah, cette fille est vraiment intelligente! Ah! Écoute, mec. Écoute d'abord. Je suggère que nous rentrions. Nous devons quitter rapidement de cet endroit parce que cette femme a dû avoir fui il y a longtemps. Rentrons-nous si nous n'avons pas de problème. Problème? Tu parles d'un problème, mais nous avons déjà un problème. Et comment? Comment? Mais comment on va expliquer au chef qu'on a perdu la personne qu'on doit capturer, qu'il nous a échappé, hein? Non, tu penses qu'il sera content de nous? Écoute-moi, mec. Nous ne sommes pas ses hommes, d'accord? Il n'est pas notre boss. Donc, nous ne lui devons absolument rien. Est-ce que tu comprends ça? Souviens-toi, le chef est vraiment, vraiment dangereux. Il pourrait nous trouver, hein? Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Il est capable de faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas notre faute qu'elle ait échappé. Est-ce que tu comprends? Laisse-moi te faire une suggestion. Nous devons chercher plus loin. Parce que
Le chef paye très très bien. Souviens-toi encore comment il dépensait, il jouait avec l'argent. Ah ah! Nous ne devons pas arrêter pour cet argent, hein? On doit chercher plus loin. Mec, fais usage de ton cerveau. Pense à ce qui nous arriverait si les agents de sécurité savaient que nous étions dans des business illégales. Hé mec, c'est un danger pour nous que nous nous soyons retrouvés à un endroit comme celui-ci. Écoute mec, moi je m'en vais. Si tu veux continuer de chercher, fais les seuls, sans moi en tout cas. Mon cher, je te dis, tu as tort, mon cher. Non, je suis pas allé, je dois m'en aller. Non, reste ok, moi je pense que c'est seul. Mec, tu penses que j'ai la sécurité ici, d'accord, ouais. Reste. Où est-elle? On l'a perdue, monsieur. Elle s'est échappée. De quelle bêtise tu es en train de me parler? Hein? Nous ne savions pas qu'elle était votre victime, Tiefen, enfin, jusqu'à ce que vous avez effectué cet appel en sa présence. Et quand nous nous sommes tournés vers elle, elle avait disparu. Êtes-vous des fous? Hein? Je crois qu'elle avait écouté notre conversation au téléphone, monsieur. Vous avez vu une fille en train de fuir dans ces conditions à 7 heures de la nuit? Aviez-vous besoin qu'un voyant vienne vous dire qu'elle avait échappé de ma résidence? Souvent, quand vous voyez une fille courir à cette heure de la nuit, à quoi pensez-vous en premier? Dites-moi un peu. Chief, nous l'amenons souvent vers vous. Allô, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait la même chose aujourd'hui? Désolé, monsieur. C'est parce que nous étions au téléphone. C'est de ça que je parle. Est-ce que j'étais obligé de vous appeler? Nous sommes désolés, monsieur. Vous êtes des fous. Vous êtes tous des fous. Merci, monsieur. Est-ce que je ne sais pas comprendre, c'est que pourquoi est-ce que vous devez poser des tels actes juste à cause d'argent? Je ne comprends absolument rien du tout. Ou tu veux dire qu'en tant que copain, je ne te donne pas suffisamment d'argent? Je suis vraiment désolée. Comme je le disais, je ne sais pas ce qui m'a poussée à le faire. J'étais déjà en train d'aller à la banque quand Emilia m'a parlé de ça. Quand on devait voir d'abord le chief, je n'étais même pas convaincue. On t'avait d'ailleurs dit que chief, vous avez fait un transfert. Et pourquoi est-ce que tu t'étais décidé d'aller avec elle? Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi tu m'avais pas dit? Écoute, je pourrais même partir avec toi pour ta sécurité. Ou tu pouvais juste lui passer un appel au lieu d'aller te présenter. Oui, j'avais aussi suggéré cela, mais Emilia m'a imposé d'aller dire merci à un homme qui m'a transféré de l'argent dans mon téléphone. Arrête, Samy. Toi et moi savons très bien que ce n'est pas le bon moment de faire les reproches. Hein? As-tu dit que ton ami t'a dit d'aller le voir? Oui. Donc, elle a la clé de la réponse. Et je crois qu'elle connaît quelque chose à propos de ta tentative de meurtre. Peut-être que c'est la partenaire de Chief Kanadi. Ça, ce n'est pas vrai, monsieur l'officier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au contraire. Si elle en faisait partie, elle n'allait pas m'aider à m'échapper de cette maison. Écoute-moi, jeune fille. Je suis un inspecteur avec de l'expérience. Ton ami avait déjà préparé tout ça avant d'échanger ton cœur. C'est déjà trop tard. Et comme tu peux le voir, ce que le portier sait, elle t'a donné l'accès qui t'a permis d'échapper. J'aime la manière dont tout le monde parle. Non, mais ce n'est pas vrai. Je ne pense pas. Comment est-ce que quelqu'un peut parvenir à gérer ton compte sans que tu lui donnes tes accès? Et Chief Card était dérangé de ton appréciation. Et c'est là ton ami t'a suggéré d'aller le voir pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour toi. Monsieur, ok. Et tu es en train, en fait, de nous dire que Emilia savait quelque chose sur ce qui allait se passer? Exactement, Samy. C'est exactement ce que j'ai dit. Alors, comment est-ce que c'est possible? Essaie de regarder très bien. L'argent qu'il a transféré était de trop. Ce qui veut dire son attirance vers toi était inévitable.
Oh oui, monsieur l'officier, c'est vrai, mais s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à sauver mon ami, allons-y sauver Emilia, s'il vous plaît. Oh, voyons. Toi et moi savons très bien comment on fait les enquêtes. Nous devons vraiment se préparer et être prudents. Si nous suivons très bien ces enquêtes, ça va créer beaucoup de dommages. Pourquoi cette fille en question a donné l'allégeance au chef canadien? Et toi et moi savons très bien que le tuf est trop influent. Et tout sera fait. Bébé, tu es vraiment inquiet. S'il te plaît, est-ce que tu peux te mettre? Comment je vais m'asseoir pendant que mon ami est en train de souffrir dans cette maison? Mais mes chéris, ici c'est la police qui s'en occupe. Est-ce que je peux leur permettre de faire leur travail? Pour combien de temps? Pour combien de temps? Tu es sûr qu'ils vont faire ce travail? Tu sais combien j'ai souffert pour m'échapper? S'il te plaît, ne dis pas ça. Ok, alors si ce que l'inspecteur a dit est vrai, et si Emilia a prêté allégeance à Chief? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'Emilia que je connais ne peut pas faire ça. Oui, je sais qu'elle aime l'argent, mais Emilia ne peut pas me sacrifier. Est-ce que tu t'entends? En fait, est-ce que tu peux t'entendre parler? Chérie, tu ne dois pas dire des choses comme ça. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais essaye. Essaye de m'aider à les sauver. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Si tu peux permettre à ces gens d'accomplir leur mission. C'est ça, leur devoir. Ok, merci Dieu que tu saches très bien qu'elle aime beaucoup l'argent. c'est bon bébé, mais juste arrêtez de la condamner, s'il vous plaît. Mon ami me manque beaucoup. Je risque que tu dois faire maintenant, c'est permettre à ces gens de très bien faire leur travail, d'accord? c'est bon, s'il te plaît, juste fais quelque chose, je ne peux pas. Rester dans cette maison toute seule. Emilia me manque. Elle me manque. J'espère que tu ne comprends absolument rien. Ok? Et tu ne comprends absolument rien. Qu'en est-il que ce que le monsieur dit est vrai? Dis-moi un peu. Ce n'est pas vrai. Ce ne peut pas être vrai. Ce ne peut pas être ma Emilia que je connais, non. Telle est ma prière. J'y crois aussi. Oh Dieu. Ce n'est pas fermé, vous pouvez entrer. Inspecteur Chucky. Bienvenue, messieurs. Oui, madame. Monsieur, soyez le d'accord. Bienvenue. Messieurs, prenez place. Merci. Est-ce que vous allez bien? Oh, nous, ça va. Êtes-vous oui, sûr? Ça va très bien. Samy, tu sais très bien que les femmes peuvent tout faire à cause de l'argent. Absolument. Si elle n'en peut sacrifier sa mère, celle qu'il a mis au monde pour les rituels d'argent. Et qu'est-ce qu'une amie ne peut pas faire? Oh non, officier, je refuse. Je refuse d'accepter cela comme une réalité. C'est évident ce que les enquêtes ont trouvé comme solution. Jusqu'à quand, officier? Jusqu'à quand? Je sens que ma vie est en danger. À chaque fois que je vois les hommes, même de loin, je me sens vraiment effrayée. Je comprends ce que tu ressens. Vous savez, c'est juste les enquêtes qui ont révélé tous ces problèmes. Spécialement les gens qui ont des problèmes. Mais il y a toujours des histoires qui sont gardées secrètes. Raison pour laquelle la police est là pour s'en occuper. Vraiment? Oui. Oh, merci beaucoup. Je peux me sentir mieux maintenant. Inspecteur, je voudrais vraiment te dire grand merci pour tout ce que tu fais. Mais pourquoi ne pas demander quand est-ce que tout ceci aura pris fin? Très bientôt. Comme je dis très bientôt, c'est vraiment bientôt. Ce que nous avons comme bonne nouvelle, nous nous sommes donné la peine de trouver le chief Caroline. Impressionnant. Et ça, c'est une très bonne nouvelle dans toute cette démarche. Mais la mauvaise nouvelle est que s'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas concernant ces enquêtes, nous sommes là. On va s'en occuper. On va vraiment s'en occuper jusqu'à la fin. Oh, s'il te plaît, Dieu, aide-moi.
Je fais tout ça parce que tu es mon meilleur ami. Normalement, je n'allais pas faire tout ça parce que je n'étais pas sûr du suspect. Et toi et moi savons très bien comment le chief est. Imaginez s'il avait seulement des doutes concernant les accusations qu'on a faites pour lui. Et seulement pour ça, j'allais avoir des problèmes. Et j'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Je t'en prie. Sincèrement, je te dis merci. Et crois-moi, je n'arrêterai jamais d'apprécier tous les efforts que tu fournis pour moi. Bien, Samy, j'aimerais te rappeler quelque chose encore. S'il y a quelque chose que tu te rappelles concernant toutes ces enquêtes, n'hésite pas à m'appeler pour me faire savoir. Absolument. Oui, oui, c'est ça. Merci, officier. Absolument. Bonjour, monsieur. Nous sommes là chez vous. Quoi puis-je vous aider? On cherche ce chief. Chef, il savait que vous allez venir? Pas du tout, mais on sera content de le voir. Ah, ok, laissez-moi le signer. Très bien. D'accord. Monsieur, il y a quelques policiers. Laisse-les entrer. Ils sont ici pour des questionnements, d'accord? Et c'est ce qu'ils t'ont dit. Et donc, laisse-les entrer. D'accord, monsieur. Emilia, est-ce que tu vas bien? Oui. Mais tu ne bois pas. Ah, monsieur, je vais boire. Oh, Sam. Inspecteur? Oui, oui. Est-ce qu'il y a un souci? J'ai vu lui parler à la sécurité. Il est en train de l'informer. Oh. Alors, attendons qu'il revienne. Okay. Oui, c'est la meilleure idée. Monsieur, vous pouvez entrer. Ah, très bien. Bonjour, chief. Je suis l'inspecteur. Oh, inspecteur, s'il vous plaît, prenez place. Oh, merci. Je vais m'asseoir. Emilia, donc c'est vrai? Donc c'est vrai que tu as planifié tout ceci pour me tuer? Tu m'as envoyé un message. Je t'ai envoyé aucun message. Mais de quoi est-ce que tu parles? J'étais surprise en me réveillant le matin, tu étais déjà partie. De quoi est-ce que tu parles? Que veux-tu dire? Tu ne m'as pas envoyé un message? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Ok, si tu ne m'avais pas vu, pourquoi tu ne m'avais pas cherché partout? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui ne va pas ici? Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ici? Désolé, Tiff. Nous cherchons un suspect. On a juste un petit problème et je vais l'arranger. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous sommes ici.
On pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici. Il est probable que vous ayez pensé qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. Mais avant qu'il donne une quelconque information me concernant, tu devrais me contacter. Et la prochaine fois, avant de faire quelque chose, il faut le vérifier. Parce que je ne pense pas que tu es venu ici pour n'importe quoi. Vous avez raison, Tiff. Désolé pour ces dérangements. Nous allons vous laisser. Bonne journée. Ne partez pas, aidez-moi. Merci, Tiff. Aidez-moi. Aidez-moi, non. Aidez-moi, Emilia. Et ça a été réglé. Je m'excuse, messieurs. Je ne t'avais pas cru quand tu martelais sur Emilia a un lien avec les chiefs. Je suis désolée. C'est d'accord. Je tellement apprécie parce que ça s'est fait devant toi. Et maintenant, tu peux maintenant comprendre. Hein? Et tu ne vas plus douter, ok? Oui. Inspecteur Chuck. Oui, Samy. Nous sommes désolés de tout ce qu'on vous a inculpé. Nous savons très bien combien ça a été difficile. Nous vous devons tout ça. Sincèrement, ça ne coûte rien du tout. J'ai compris de ma manière. Vous savez que vous avez raison. Cet homme est méchant. Comment pourriez-vous? Avez-vous pas vu comment Emilie a été libre de nous parler à tous? Je veux dire, il n'y a aucun suspense de kidnapp ou de danger, ce que vous voulez dire. Et Samy, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Tu sais comment les criminels fonctionnent. Ils prétendent vraiment que tout va très 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 bien. Et le problème dans tout ça, quand j'ai parlé avec le Tiff, j'ai compris que Tiff parlait avec Emilia. Et c'est comme ça qu'on peut contrôler quelqu'un. Et si ça arrive à ce niveau-là, tu ne peux pas comprendre. Et vous ne pensez pas que ça pourrait être un arme? Pourquoi vous revenez sur voyons, ça? Même si c'est quoi, nous allons les découvrir. Et tu sais, elle était en train de nous parler. C'est comme si elle voulait passer un message. Hein? Et je pouvais voir la peur dans ses yeux lorsque je disais que nous partons. Ah, ça c'est un département. Comme je suis aussi inculpé, je vous encourage de continuer. Allez-y jusqu'au fond. Il n'y a pas de problème. Officier. Monsieur. Je veux que vous soyez prêt. Oui, monsieur. Qui encore, mais qui est là? Allons-y. Avance. Vous encore? Je suis désolé, chef, mais nous devons résoudre ces problèmes. Perquisitionner ma maison, pourquoi? Les ordres venus d'en haut, chef. Un ordre venant d'autorité. Es-tu au courant que le commissaire est mon ami? Ce n'est pas ce que j'ai constaté. Officier. Monsieur. Fouillez partout. Oui, monsieur. Partout. Il est vraiment clair que tu t'es décidé de quitter ton travail. Messieurs, nous avons trouvé un cadavre dans cette maison. C'est une fille. Non, arrêtez. C'est l'un des captifs. Il est innocent. Ne tuez pas sur lui. Ne tuez pas sur lui. Jeune homme, descends ici. D'accord, monsieur. Tu es sauvé. Descends. Descends, jeune homme. Tu es sauvé, jeune homme. Appelez l'ambulance, officier. Okay, fais-le immédiatement. D'accord, monsieur. Merci, officier. Tu as fait un très bon boulot. Ça va aller. Tu es un professionnel.
Vous êtes à l'état d'arrestation pour tentative de meurtre. Et tout ce que vous aurez à dire maintenant sera retourné contre vous à la cour. Et maintenant, allons-y. Officier, on n'a rien fait. Allez, Demandé, avancez frappé, vite okay. On n'a rien fait. On n'a rien fait, nous. Mais qu'avons-nous fait? Entrez dans le véhicule. Officier, qu'est-ce qu'on a fait? Dans les véhicules. Emilia, peux-tu nous dire juste ce que tu as vu? Juste après le départ de Fidéal, j'ai dormi avec le chief dans sa chambre. Où est-ce que tu vas? Je vais te faire le petit déjeuner. Très bien. Celles qui sont ici ne sont pas de bonne odeur. Tu peux prendre la porte qui est à ta gauche, là. Ah, ok. Est-ce que tu vas bien? Ah oui, je vais bien. Qu'est-ce que c'était? Je ne pense pas que c'était ce que moi je pense. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Non, mais je n'ai jamais vu quelque chose de pareil avant. Qui est là? Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qui êtes-vous? S'il te plaît, peux-tu enlever l'habit? Dis-moi qui est là? S'il te plaît. Sauve ma vie. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Toi?
Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Je suis venue avec ma meilleure amie. Où est-elle? Je me demande parce que personne ne travaille ici et sortir vivant. Où est ton amie? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est vivante ou morte. Et comment es-tu arrivé ici? Ah! Et certaines personnes, je pense que tu les as envoyées. Je ne l'ai pas fait. Peut-être que je suis victime de ça. Probablement, je paye le prix de tout ce que je t'avais fait. Ah, je ne crois pas. Pourquoi? Je pensais que ma vie serait finie juste comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Explique-moi. Parle-moi. C'est une longue histoire. Explique-moi! C'est une longue histoire. Laisse-moi partir. Et toi, pas besoin de te déranger. Déjà demain matin, je vais te sacrifier à ma déité. Et tu as le courage de m'escroquer. Aucune somme ne peut m'équiter pour quelqu'un d'autre sans en payer le prix. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous voulez de moi? Et après tout ce qui s'était passé, je ne sais pas. Parce que j'étais inconsciente. Et ce que je constatais, ce que tu penses n'était pas à sa partie intime. Il te faisait l'amour avec un serpent. Serpent? Un serpent? J'ai déjà eu à travailler dans ce genre de mission. Et en faisant bien l'observation, c'est toujours la même chose. Toujours les mêmes personnes qu'on suspecte. Jésus. Ça a toujours été comme ça. Je ne comprends pas. Tu as besoin d'une observation spirituelle. Oh mon Dieu. Ah, la manière dont tu parles de tout ça, c'est vraiment effrayant. Mais c'est plus sérieux de ce que je pensais, Chike. Au cas contraire, elle sera bloquée spirituellement. Dieu, là, rien ne va arriver à Emilia. Tu sais que tout ça, là, ne sont pas bons. Les gens passent leur temps aux réseaux sociaux que les réseaux sociaux. Et d'habitude, ce n'est pas ce que tu penses. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention et voir les personnes que nous voyons. On doit les connaître très bien. Parfois, certaines personnes ont des intentions pas bien. Chike, il n'y a rien de ce que tu viens de dire qui ne soit pas absolument vrai. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie, Samy. Bébé, c'est bon. Tout ira bien. Arrête de pleurer, bébé. C'est bon. Qui est là?
Moi, Fabien. Oh, salut. Salut. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien, et toi? C'est quoi ça? Pourquoi elle pleure? Pourquoi tu pleures? Elle garde cette attitude depuis hier. Elle a peur de s'occuper de l'arrivée selon ce que l'officier avait dit. Rien du tout. Rien ne va t'arriver. Yvonne, monte là-bas et prépare-toi. Pour aller où? J'ai un oncle qui est fort dans des histoires spirituelles. Je suis sûr qu'il trouvera une solution. Oui, bébé, nous devons aller, nous n'avons pas de choix. Crois-moi. Viens, viens, allons-y nous préparer. Fabien, je vais profiter de cette occasion pour te remercier pour avoir resté à mes côtés pendant ces durs moments. Oh, voyons, je n'ai rien du tout. Remercie Dieu. Le plus important est que tu sois en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Hein? Je ne sais vraiment pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait, ta gentillesse. Tu es capable de tout faire pour moi, sans même exiger quelque chose. La vie d'un être humain est très précieuse. La vie d'un être humain, tout est précieux. Merci beaucoup et encore une fois de plus, merci. Bon, comme on l'a fini, t'amener quelque part, comprendre du café? Dès que tu seras prêt, je serai là. Merci. Alors, puis-je te voir après le rendez-vous? Ok. Bye. Liane, j'aimerais parler un peu avec toi. Oui, oui. Assieds-toi, s'il te plaît. Ok. Liane, je compte récupérer mon certificat pour trouver un travail. Le travail dont tu m'as parlé à tout moment, est-il encore disponible? J'ai envie de travailler. Oh, bébé, c'est vraiment très beau à attendre. Bien, je ne sais pas, le représentant n'est pas sur place. Je ne sais pas quand il reviendra. Alors, je vais parler avec le directeur et après, je reviendrai vers toi. Merci. Je vais vraiment travailler. C'est bon, bébé. Tu as choisi une très bonne chose. Hein? Quelle que soit la position où je me trouve, je vais toujours t'apporter de l'aide. Hein? Tout ce dont tu as besoin, c'est de mettre en application tes visions. Bien. Merci. Je suis heureuse d'entendre ça.
Maintenant, ça, c'est l'Emilia que je cherchais. Maintenant, je peux bien me reposer. J'ai commandé mes livres pour que je lise. C'est ça donc le livre qui a changé ta vie. Non, 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 ça parle du secret pour réussir. Tu en auras besoin, alors prends. Merci beaucoup. La manière dont tu parlais au téléphone, et tu parlais comme si quelqu'un qui voulait dire quelque chose, mais en fait, t'en as pas vraiment envie. Tu étais vraiment intéressé, mec. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est à propos d'Emilia. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Je ne sais même pas quoi dire. Il semblerait que il s'est tombé amoureux d'elle. Et qu'est-ce que tu attends? Vas-y, mec. Qu'est-ce que tu attends? Et tout ce qui sort dans ce sens, il doit être vraiment entier. Alors, va de l'avant. Hein? Et je pense maintenant qu'elle a pris la place de ton meilleur. Mon cher, c'est impossible que je fasse ça maintenant. C'est à propos de la vie. Je suis en train de parler de la vie en ce moment. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Va de l'avant, mec. N'oublie pas que tu es un homme. Je te considère comme mon meilleur ami, en tout cas. Tu as raison, mec. Cheese pour une très longue vie. Pour beaucoup d'argent. Amen. C'est quoi ça? Montre un peu. Je ne sais pas. Quoi? C'est quoi? Veux-tu m'épouser? Dis oui! 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 Oh mon Dieu! Oh bébé! Merci! Merci! Vraiment! Alors! Félicitations! Alors, s'il vous plaît! Et préparons-nous pour la fête. Bien sûr. Toi, tu es mon meilleur gars.